Amashia, Lion tribu Juda, Kap bataille pour moi, Yeshua, Amashia, Lion tribu Juda, Kap bataille pour côté mon qui besoin je suis sûr. Yeshua, Lion tribu Juda, Kap bataille pour moi. Yeshua, Yeshua, Hamashia, Yon tribu Juda, a bataille pour moi. Levez-moi du Yeshua. Yeshua, Yeshua, Hamashia. Côté innocent, yo, levez-moi du sanon. Yeshua. Yo, tribu Juda. Quatre batailles pour moi. Yeshua. Yeshua. Tamashia. Yo, tribu Juda. Quatre batailles pour moi. Mon qui vient charger justice, yo, du sanon, du sanon. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Yon tribu Juda. Come, montre-moi, Yeshua. A bataille pour moi, Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Yon tribu Juda. Jamais nos combats pour qu'on y aille. Levez-moi, dis ça. Ou même y a le fond. Ou bien nous allons aller à le fond. Oui, petit. Mon Dieu, pas livré. Mon Dieu, pas livré. Levez-moi, dis Yeshua. Yeshua. Amashia. Et déjà, ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices de sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Et déjà, ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Surtout de tout ce qu'il a dit, Dieu a parlé une fois, deux fois, et j'entendis ceci. C'est que la puissance appartient à l'Éternel. Par conséquent, je crois toute parole de Dieu, car la parole de Dieu est Dieu lui-même, et si elle est Dieu, elle ne peut mentir. Toute promesse de Dieu pour ma vie s'accomplira sûrement. Aujourd'hui, ce matin, 10 novembre 2023, en faisant cette confession, je déclare au diable que je ne suis pas ignorant de ce que je suis en Christ. Je suis né de nouveau et j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, je suis assis avec lui, là-haut, au-dessus du monde des ténèbres, dans les lieux célestes. Je suis un saint. J'appartiens à Dieu. Je suis un roi et un prêtre royal appelé au service de Dieu. Jésus m'a racheté avec son sang précieux et irrépréhensible et m'a fait passer du royaume des ténèbres pour son royaume de lumière, de paix et de vie abondante. Je me tiens sur la victoire de Jésus sur Satan et sur la mort et l'enfer, car il est écrit que Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre et arracha au diable tout son pouvoir. Et il est monté en haut pour rendre la captivité captive et fit des dons aux hommes. Par sa victoire, que tout rassemblement des pouvoirs des ténèbres qui sont contre ma vie de prière, mon succès et ma percée soient mis en défaite par le sang de Jésus. Cette parole est puissante.
vendredi 10 novembre 2023, frères et sœurs en Jésus-Christ, que tout rassemblement des pouvoirs des ténèbres qui sont contre ma vie de prière, mon succès et ma percée soient mis en défaite par le sang de Jésus. Le jour où j'ai complètement donné ma vie à Jésus, j'ai soumis ma vie à l'Éternel des armées. Par conséquent, Satan, j'ai l'autorité pour te résister et à les attaques contre ma relation saine avec mon Créateur, Jéhovah Dieu. Par ma foi en Jésus-Christ, je suis devenu descendant d'Abraham. Les bénédictions d'Abraham sont à moi. Les Écritures disent que je suis béni avec le fidèle d'Abraham. Je suis héritier de toutes les bénédictions célestes de Dieu. Il est écrit que Dieu a béni tous ses enfants avec les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il me donne la grâce et la gloire. Aucun bien ne manquera à ceux qui marchent dans la droiture. Les Écritures disent que si je demande, je recevrai. Je demande et par la foi, je reçois la grâce, la gloire et les cieux ouverts de Dieu. L'Éternel Jéhovah est tout suffisant. La Bible dit qu'il est plus que notre suffisant. Je demande l'abondance divine dans tout domaine de ma vie et je la reçois par la foi. Je la confesse et reçois par la foi. Mes prières sont une agréable odeur dans la présence de Dieu. Je demande et je reçois sa grâce et son feu pour m'incliner. Comme il est écrit, je serai une couronne de gloire dans la main de Dieu, un diadème royal dans la main de mon Créateur. Je commence à briller comme une lumière éclatante. La lumière de Dieu est en moi. Les ténèbres ne peuvent pas demeurer en moi et ne peuvent pas me couvrir. Oh, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Oh, gloire à Jésus. Dieu sera vu sur moi et tous les yeux la verront. Partout où je vais, je tiendrai toujours la tête haute. Même quand les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les nations, l'Éternel se lèvera pour moi et sa gloire sera vue sur moi. Je serai vu et je rayonnerai. Mon cœur vibrera de joie par l'abondance et l'immensité de la richesse de la mer qui se tournera vers moi. Les nations viendront à moi avec leurs trésors. Les étrangers bâtiront des maisons pour moi et leurs rois s'y soumettront. Dans la colère de Dieu, il m'a frappé. Mais dans sa bonté, sa miséricorde et son plaisir, il exerce sa compassion et son amour envers moi. Les fils de ceux qui m'ont affligé viendront se prosterner devant moi et tous ceux qui m'ont méprisé viendront me prosterner à mes pieds. Ils m'appelleront la ville de l'Éternel, Sion et le Saint d'Israël. Bien que j'ai été abandonné et haï pour que qu'un bien ne m'atteigne, Dieu fera de moi une gloire éternelle, une joie d'âge en âge. Je mangerai les trésors des nations et des païens, je me vanterai de leur gloire et tous verront et reconnaîtront que je suis la postérité que Dieu a bénie. Oh my God! Et tous verront et reconnaîtront que je suis la postérité que Dieu a bénie. Dieu a parlé à ma vie. Je le crois et je commence à le manifester. Je ne suis point un vaincu. Je serai toujours la tête et non la queue. Je demeurerai au sommet de la montagne et non de la vallée. Je ne vais plus expérimenter le cas de la montagne de Pisga. Je ne vais plus échouer ni être dessus à la veille des miracles désirés. Le succès et la victoire, car le sang de l'agneau m'a lavé de toute marque de la sorcellerie, de la haine, la jalousie, de l'envoûtement et de l'envie. J'écrase sous mes pieds tout serpent de tricherie, de mauvais rapports, d'accusation, de machination, de critique. Aucun conseil du méchant ne se tiendra contre moi. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi, toute âme forgée contre moi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera contre moi en justice est déjà condamnée. Par conséquent, je déchire par la foi toute mur spirituel entre moi et mes secours divins, opportuns et mes bienfaiteurs. Tout de suite, je me tiens sur ma position en tant qu'enfant de Dieu, Jéhovah, ordonné à régner comme moi sur la terre et j'ordonne que la faveur divine me remplisse. Dieu a mis sa parole dans ma bouche comme une arme de destruction et de restauration. J'utilise ce pouvoir pour prononcer, déclarer la destruction des agents du diable
assigné pour dévier et empêcher mes bénédictions. J'utilise la même arme pour décréter la restauration sur ma vie. Il est écrit que je dois oublier les choses passées. Dieu fera une nouvelle chose dans ma vie et elle apparaîtra. Maintenant, je demande que les choses, que les bonnes choses commencent à apparaître dans ma famille, dans mes affaires, dans mes finances et dans ma vie spirituelle. L'Éternel fera briller sa face sur moi toujours et me fera grâce. Sa lumière brillera sur mon sentier et sa faveur m'accompagnera tous les jours de ma vie. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Bon Dieu, bénis, frères et sœurs, en Jésus-Christ, à mes prières dimensionnelles et que déclaration ça soit capable d'accompagner pour jeûner. Jeudi 10 novembre 2023, ça. Que le Seigneur bénisse, que bon Dieu avec vous. Que bon Dieu accompagne nous. Nous souhaitons très bonne journée. Que bon Dieu accompagne vous. Bon Dieu bénisse, bon Dieu avec vous. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous bénis le Seigneur. Nous disons bon Dieu merci. Pour présence, l'État avec nous dans un moment de prière de dimension, ça, à la gloire de Dieu. Et je crois que moi béni, ou même ou béni tout, dans la prière qui se fait là, à la gloire de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour présence, les Père, Fils, Saint-Esprit, qui est avec nous sur l'Église, et qui t'a béni, quel que soit côté où tu es branché. Nous remercions, ou même qui t'a partagé, ou même qui t'a like. Nous remercions, ou même qui fait qu'abonner avec nous, et où tout fait partie de famille, prière dimensionnelle. Merci à chaque fois, Seigneur béni, mais qui baille offrande, dans service là. Parce que l'on baille offrande, ou permettre que si moun yo dans l'école prière dimensionnelle là, nous baille matériel scolaire. L'on baille offrande dans prière dimensionnelle, ou permettre que nous payer professeur yo, ou regarder la cap enseigner ti moun yo. L'on baille offrande dans prière dimensionnelle, ou permettre que dans récréation, nous baille ti moun yo plat chaud. Parce que l'école là, en dehors, ti moun pas venir l'école à boîte. Mais chaque fois qu'on baille donation à l'Éternel, chaque fois déposer offrande sur l'autel de Dieu, dans la prière dimensionnelle, ou permettre que nous fassions tout travail ça yo à la gloire de Dieu. Payer professeur, habiller Timounio baille uniforme, chaussettes souliers, baille au matériel scolaire, et dans la récréation, Timounio j'ai un plat chaud pour le manger à la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur avec vous, et ou même qui voulez baille donation, ou capable baille via Zelle Kachap, 929 363 1796. Ou même qui voulait bailler donation, on peut faire ça Kounia via Zelle Kachap 929 363 1796. Sur Bailler Kachap ou Bailler Zelle, ou voulez bailler offrande à le Seigneur, pour nous capables de bailler tout le monde en plat chaud, pour nous capables de bailler tout le monde en cahier, plume, crayon, souliers, chaussettes, uniforme à la gloire de Dieu, eh bien, on est capable de relire sous numéro maintenant qui c'est plus 509 37 77 53 96. Bon Dieu bénis, bon Dieu avec vous, nous comptons parce qu'on est avec nous sur l'Église à la gloire de Dieu. À bientôt. Bon Dieu bénisse, bon Dieu avec vous. Amen.